Jésus-Christ a subi la couronne de la douleur. Je comprends que c'était mes douleurs au niveau de la tête, mes limitations au niveau de la tête, ma restriction au niveau de la tête, les maladies mentales que je subis. C'est ça qu'il a pris. Et pourquoi il a fait ça? Pour me redonner la couronne de gloire et d'honneur. Dès lors, quand je vais prier plus tard, je m'appuie sur la vérité. Je dis, Seigneur, merci. Parce que tu as pris la couronne d'épines sur ta tête afin de me redonner la couronne de gloire. À cause de ton sang. Tu l'as fait par ton sang. Ça veut dire quoi? Ton sang a racheté mon intelligence. Ton sang a racheté ma mémoire. Ton sang a racheté ma raison. Ton sang m'a délivré de la folie. Ton sang m'a délivré de la confusion. Je me tiens dans l'œuvre achevée de la croix à cause de ce sang versé pour moi. Et je résiste, je refuse de subir désormais des migraines, des douleurs, de perte de mémoire, de perte d'intelligence, de folie, de limitations à cause, non pas de mes mérites, non pas de mes études, non pas de mon nom de famille, mais à cause du sang de Jésus. Je me tiens sur cette vérité-là. Je résiste. Comment? Par le sang de Jésus.